Je me suis réveillé il y a pas longtemps, donc j'ai un peu la tête dans le cul. Il faut que je me couche tôt ce soir, donc c'est parfait, c'est parfait. J'ai bien géré mes heures de sommeil ce week-end, c'est nickel. Bon bah bref. Rock'n'roll. Personnellement, si on fait ça, regardez, choix de la mission, regardez, les deux premiers, j'ai 25%, après il m'en restait quelques-uns. Puis l'exploration, on n'avait pas fini avec le BFJ. Bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai récupéré un mode d'armes. Ça fait que je crois que toutes mes armes sont modées. Et principalement, je crois que c'était ça. Ouais. Après, le reste, c'était de la connerie, genre. Peut-être une batterie qui traînait ou des codecs. Ouais. Je crois que surtout des codecs, il manquait. Et des codes de triche. Ouais. Bref, on va continuer. Ces vies supplémentaires sont disponibles en Ultra Nightmare, ça rend le mode beaucoup plus cool quand même. Oui, les vies supplémentaires sont disponibles en Ultra Nightmare. Ouais. Je pense que c'est le seul moyen pour que tu puisses. Parce que. C'est à moins d'être un dieu quand tu as les arènes. Bon, en même temps, bon, c'est la première fois. Peut-être il y a des strats et tout, mais bon. Les arènes en Empyrean, si tu veux faire l'Ultra Lumière en 100%, bonne chance pour te planquer, quoi. Tu peux pas te planquer, les mobs ils te pourchassent, quoi. Donc avoir des vies supplémentaires, c'est pas mal. Voilà, bon, j'ai 4 vies supplémentaires, parfait, ok. Là, par contre, il a redonné mes roquettes. Parce que. C'est comme un con, je m'étais avec les roquettes pour me suicider, mais il me suis dit, bon, il y a du vide. Il y a du vide. Allez, c'est parti. C'est parti. Attendez. Tac, tac, je me setup. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a plein de jetons. Des jetons. Peut-être j'en ferai une game en Ultra Nightmare. Mais je sais pas si je ferai ça en live ou je recorderai. Je sais pas. À voir. Parce que il suffit de mémoriser toutes les vies supplémentaires. Et il y a peut-être moyen de faire un truc bien. Hein. Après, une fois que tu connais tous les mobs, leurs points faibles et tout. Voilà quoi. Attends, on est presque à fond partout, tiens, c'est intéressant, mais attendez une seconde. Ah oui, attendez, armure. Ah oui, c'est ça. Ah, attendez, ah oui, d'accord. Ah non, c'est ça, il m'en manque 3. Il m'en manque 3. Il y a eu une seconde explosion. Je crois que je vais prendre ça. Ça, bon, c'est pas très. Ah, mais c'est pas mal ça, c'est pété! Allez, en faisant, j'en louperai plus. C'est pas mal ça. Putain, si j'ai su, je vais prendre ça dès le début en fait. Au lieu de m'acheter l'exploration, là, c'est l'exploration, on s'en fout. Ouais, je vais faire ça. Puis il me restera 2 points à mettre en haut. Et ah oui, c'est pour les barils là. Pinata explosif. Ouais. Je crois que je vais prendre l'immunité. Bon, les barils, je m'en sers pas beaucoup. Mais on sait jamais. On sait jamais s'il y a des. S'il y a des conneries qui arrivent après. D'abord, au niveau des armes, et ça, j'ai plein de jetons. C'est quoi ça? Le BFG, oui, mais ça, je peux pas l'améliorer, ça, je pense. Je pense que c'est déjà pas mal comme arme. Donc, Ah oui, si les micro-missiles, j'ai fini la maîtrise. C'est que maintenant, je peux spammer des missiles à volonté. C'est. Bon, ça, c'est rigolo comme arme. Ça permet de défoncer les démons assez moyens. Mais après, bon, contre les gros, ça devient vite useless, quoi. Et ça consomme surtout sa race sans munitions. Je vais mettre des points dedans comme ça, genre ça. Tuer au moins un démon proche avec l'explosion de micro-ondes 15 fois. Ah oui, d'accord, ok. Ok, donc faut que je tue un. Avec le laser, quand il explose, faut qu'il emporte un démon avec lui, en gros. D'accord. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, attendez, avec la mitraille, je crois que j'ai débloqué des choses, non? Oui, c'est ça. Au fur d'une pierre deux coups, ouais bon. J'ai pas trop quoi acheter là honnêtement. Infliger 20 points de dégâts pendant que le bouclier énergétique est actif. Ça c'est facile ça. C'est très simple à faire. Ok. Du coup. On va setup l'arme. Voilà. Et on est parti. Et du coup normalement. Voilà. Ah mais c'est trop OP, on voit les vies et tout, c'est trop bien. Ok. Par contre, c'est moi, la map a l'air d'être assez petite. Ça sent le boss, hein. Oh, ça sent le boss, hein. Ça sent le boss. Bon, ne mettez pas un maraudeur d'entrée de jeu, s'il vous plaît. Laissez-moi me réveiller une seconde. Ok. Soyez gentil, le jeu, s'il vous plaît.
Oula. Hein? Ah non, d'accord. Je pensais que j'étais en mode. Mais non, c'est que. J'ai pas vu qu'on me transportait. Ah oui, c'est quand ils étaient humains. Des tripes. Des tripes énormes. Les tuer. Je dois les tuer tous. Il peut encore se battre. Malgré toutes ses blessures. Envoyez-le dans l'arène. Qu'il soit jugé comme les autres. Ah, c'est cool là, ce petit flashback. Putain, le Doom Guy, il a qu'à vu trop d'enfants Fortnite se balader dans la rue malgré le confinement. Là, il en peut plus là. Il est au bout de sa vie, vous savez. Hein. Les tripes. Les achète tous. Ah, bonjour. Je veux t'offrir, ô grand et puissant être, un gage de trêve. C'est rigolo. Ah bah, je me demande si c'est pas une zone où il n'y aura que du background. Ça va être bien parti là. Pas mal ça comme cheminée. Le petit sauna, c'est la petite piscine. Le petit bain. Attends, je vais pas aller dedans quoi. Je sais tout ce que tu as sacrifié. Alors retourne-y. Abandonne cette croisade. Tu ne peux pas les sauver. Ils me l'ont demandé. Alors je le leur donne. Si tu laisses au prêtre la vie sauve, alors je te restituerai ce que les démons t'ont pris il y a bien longtemps. Il te suffit de faire marche arrière, et tout cela sera de nouveau à toi. Toute la douleur en toi disparaîtra. Vous redonnez mon lapin? Vous redonnez mon lapin de Doom 2? Ou de la fin de Doom 1 plutôt? Non. Mon lapin? Oh, qu'est-ce qu'on a ici là? Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, c'est la suite en fait. C'est la suite. Oh nom 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 nom, les codex. Bon, les codex, je vais en off. Là, vous voulez l'action, je suis sûr. Vous voulez l'action. Secret trouvé, comment ça? Ah oui, ça va être bah, du coup là. Non, pas du tout. Non, non, oh, mais quel con. Quel con. Je me suis pris à un mur et du coup, il a décalé sur le côté. Plus de vie. Je plains les humains, sincèrement. Ils ont un rôle difficile. Mais moi aussi, j'ai un monde à sauver. Sans leurs armes, il n'y aurait pas d'énergie infernale et l'argent cesserait de couler. L'argent? Je ne peux pas le permettre. Tu ne gêneras pas la progression d'Urdak. C'est ainsi qu'il en a toujours été. Ce n'est pas à toi de nous priver de notre chance de prospérité. En tout cas, les décors... Pas mal, hein. C'est quoi ça? Ah oui, c'est la carte. Voilà. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi cette icône là-bas, hein? Ok. Du coup, le cop sur démoniaque, c'est en gros tout est dans le boss en fait. Non, c'est pas ça que je veux. Ok, faut que je monte à gauche. Un lapin, oui. Parce que dans la fin du 1, du premier Doom, si j'ai pas de conneries, les démons débarqués sur Terre en fait, ils ont tué le petit animal du Doom Guy en fait, qui était un petit lapin. Et bien on avait une référence d'ailleurs dans le vaisseau, dans celui-là, là, il y avait son nom. Justement, il y avait le nom de son lapin. Et ça. Un lapin comme ça.
Ah oui d'accord Maxou, ok. Attention à toi Maxou, attention. Attention. Moi je suis pas très halal comme temple hein. Là, j'arrive pas très bien voir. Ah oui attendez là-bas là, on a une belle vue. Ouais sympa. Petit précision là. Non c'est vrai, on va recharger. Ne recharge pas. Que moi c'est réflexe de d'auto FPS, au secours. Je ne te regarderai pas mettre notre avenir en péril. La terre sera consumée et l'énergie continuera de couler. C'est la survie de ton peuple entre celle du mien. Ah bah ça on est d'accord. Ça dépend pourquoi c'est où le codex. Ah oui c'est que d'accord. Et puis le dernier, ouais c'est bon, il est au fond à droite. Il n'y a que des codex ici. Eh ben oui, on est enfermé, eh ben oui hein. Bon faites un peu de bruit les gars, vous êtes un peu insupportables. Insupportable. Donc ça va juste full munitions on dirait. Allez rock'n'roll. Ah mais attends mais on a sauté une cinématique là j'ai l'impression non. Ah merde. On a sauté la cinématique d'entrée du truc. Je vois. Ah bon. Tu es... massacré. Ouais, tu compléteras parfaitement nos lignes de front, étranger. Les démons, ils sont partout. Je dois tous les tuer. Pansez ces blessures et ramenez-le-nous. Je veux en savoir plus sur ceux dont il nous a parlé. Oui, majesté. Si une seule goutte de sang d'une sentinelle entache ces terres, vous perdrez à jamais toute souveraineté ici. Ouzef. Bonjour. Ah oui, j'ai une batte contre une tête volante. Quelle est donc cette chasse encore? Le gladiateur. Oh non, par contre, on connaît que les yeux verts, quoi. Les yeux bouclés deviennent verts lorsque le gladiateur est sur le point d'attaquer. Tire-lui dessus. Ouais, d'accord, ok, clé d'ouverture. Oh là 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 là, c'est encore la même merde qu'avec le maraudeur là où il y aura 36 000 ZAD. Et le boss, je pourrais pas me concentrer dessus. Vous connaissez la strat ici, je crois qu'il a tellement de barres de PV. Je vais bourrer au lance-roquette. Ok. Oh! Ah, il est pas mort, oui, voilà! Ah, on est parti! Putain, mais genre, ça me touche! Fais ta merde, fais ta merde, fais ta merde! Lâche-toi! Quoi? Pourquoi ça m'a touché? Et pourquoi ça touche pas? Y'a un peu de monde là. Y'a un peu de monde.
Aïe. Mais pourquoi? Mais il s'abrivire, nique ta mère. La musique est sympa. Bon, on va faire comme ça. Oh merde. Le combat est sympa, j'aime bien. Tire, tire. Surtout la musique est tellement classe. Ah c'est facile avec cette arme hein. Ah oui t'es baisé mon gars, c'est bon, c'est toi ton point faible. Vas-y vas-y tire tire tire. Alors. Oh oh oh. Ah ça va? Ah oui mais non. Redonne-lui son bouclier. Redonne-lui son bouclier. Dans son bouclier, le gladiateur est plus agressif, il utilise une plus grande variété d'attaques. Lorsqu'il fait tourner l'un de ses fléaux, il renverra les attaques du seigneur. Oh putain. Lorsque ses yeux clignotent au vert, c'est qu'il ne va pas frapper, d'accord. Mais du coup, attendez. Ah oui, d'accord, non mais ok. Ah, il a one shot mon shield. Ça va être compliqué là, oh ça va être compliqué. Merde. Ah non. Oh. J'ai pas de point de vie putain, c'est la galère. Oh genre quoi. Oh c'est quoi cette merde. Oh ouais. Putain. J'ai pas eu le first try hein, mais putain mais c'était ouf quoi. Bâtard. D'accord, dans ce décès, rigolo. Non mais il met trop cher son foiré là. Mais pour une fois que j'ai besoin d'aide, ils sont où? Y'a zéro aide. Le jeu qui comprend rien. Ah ouais, non mais ça c'est une blague ça. Ouais, je consomme plus de munitions en fait. Boldy. Ouais, d'accord. Allez. Viens du 8 supplémentaire. Hein. Oh oui, oh oui.
Oui. L'argent. L'argent des abonnés. La terre sera réduite à néant, peu importe ce que tu bois. Yuta. Le ciel. Tu crois que j'ai peur contre 6 mecs avec une petite lance? Franchement. Le bataille est prêt. Nous devrions vite partir. Gagné 2€, bravo. Putain. Il était super sympa ce boss, j'ai bien aimé. Bon, pour le premier, c'était pas tellement un boss, mais... Mais ça, c'était bien fait. Par contre, la fin, moi, il mettait SVP. Les ZAD qui étaient... Qui ne répondaient plus. Putain, lui en Ultra Nightmare... Bon, après, il y a Levi qui... Après, il y a Levi, quoi. En Ultra Nightmare, je pense qu'il faut vraiment coller Levi à mort, mais là, putain... Faut pas mal sentir. En même temps, bon, c'est la première fois, si tu connais bien ses patterns et tout. Genre, quand il faisait la corde à sauter, là, le truc, Je sais pas si en le bourrant, en fait, ça le cancel, je sais pas. Par contre, j'ai perdu ma souris, c'est un peu emmerdant. Ah oui, attendez, je vais faire quelques touches au pire. Il disait quoi, le tuto sous frappe sanglante améliorée? Comment ça? Ah, j'ai pas vu. Attends, peut-être on peut voir, mec, c'est temps. Tu veux dire ça, là? Je croyais que ça, c'est tout. C'est nul.